On reprend suite après notre altercation avec une paire de Shadow Demons qui, qui avait pris d'assaut l'esprit de Laurent, le prêtre de Pellor de Crystal Creek. Après s'être relevé et avoir été libéré de sa malédiction par Oragoth, l'a regardé dans les yeux et lui a dit que Crystal Creek est en grave danger. Là, il continue, il dit est-ce que les bêtes sont toujours dans les parages? Dans la forêt, tu veux dire? Mm-hmm. Oui, bien sûr, ils se sont attaqués à mes amis il y a hier soir. Sans perdre une seconde, tu vois, il vous contourne, Laurent vous contourne, puis il se penche en dessous du lit, puis il lève un matelas, puis il fouille en dessous. Il sort une grosse masse lourde. La masse est composée d'un métal doré avec un petit soleil au bout. Puis il s'appuie dessus pour se relever. Puis tu vois que quand il se tient debout, il fait comme 5 pieds 10. Laurent est quand même assez d'une assez grande stature puis costaud. Puis il dit il vous regarde tous, puis qu'est-ce qui vous amène à Crystal Creek? Il y avait deux Shadow Demons en toi. Oui, c'est je crois avoir une idée de ce qui s'est passé. Peut-être nous l'expliquer maintenant. Oui, absolument. Là, tu vois, il regarde autour et fait « Ça vous dérange pas, j'aimerais peut-être sortir. » On peut parler de ça dans la hall. Ah, bien sûr. Sauf que ça serait plus confortable que de rester dans le couloir. C'est ça. Tu vois que... Moi, je me relève pas. Moi, quand je me lève, je me fais attaquer apparemment. Fait que tout le monde en jambe te chie. Tu vois qu'il fait « Pardon. » Puis il passe. Pas de problème. Toshi, lève-toi. <Wow. rire> Moi, je commence à non. Moi, tu vois que Demetra et Alphonse ont l'air comme... Ils ont comme l'air d'avoir un espèce de gros regain d'espoir en voyant que Laurent a été relevé. Puis il leur fait un signe de main comme pour leur dire... tu vois que Laurent est très... malgré le fait qu'il a été un peu réanimé, il a un regard extrêmement sérieux puis sévère. Puis tu sais, il fait un peu un signe de main aux deux autres pour comme contenir pour leur dire de contenir un peu leur excitation. Puis il se revire vers vous. Puis il dit je crois que nous sommes aux prises avec une terrible malédiction. J'ai remarqué il y a de cela à peu près une semaine que les femmes qui sont les femmes enceintes qui sont à Crystal Creek, une fois que leur poupon vient au monde, ceux-ci vont s'en départir dans la forêt. J'ai une hypothèse, mais celle-ci n'a pas vraiment de fondement, disons. Ce n'est qu'une intuition, disons. Mais pourquoi est-ce que vous pensez cela? Ben, parce que je les ai vus. Mais, plus précisément, là, tu vois qu'il regarde, tu vois, il se tourne, puis il regarde dans les vitrailles vers les collines, puis il dit « Je crois que c'est cette saleté de sorcière. » Est-ce que cette histoire-là de, comme, de donner des enfants en sacrifice pourrait me dire quelque chose? C'est une... T'as déjà entendu parler d'une peu de pratique comme celle-ci. Hein. Mm-hmm. D'habitude, ça fait partie d'un deal. Ok, ouais. C'est ce que je pensais. Puis ton Oragoth, tu l'écoutes, puis tu vois qu'il a l'air, beaucoup trop sérieux pour mentir. Puis aussi, la seule chose que tu remarques un peu, par exemple, c'est qu'il est réellement pas, certain. C'est vraiment, ça a l'air vraiment d'être juste un hunch. Accuser quelqu'un sans preuve, je suis pas sûr que c'est la meilleure chose à faire, mon ami.
C'est pour ça que j'ai pas d'action à prendre immédiatement. Il y a bien une sorcière et que vous dites que les femmes donnent leurs enfants. C'est qu'il y a peut-être eu un deal de fait avec cette sorcière. Quel genre d'entente pourrait être prise pour faire une si immonde chose aux gens de ce village? Il hausse les épaules. Il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir ce qu'ils veulent. Mais je me demande, ces enfants n'ont pas de père qui veulent les voir? C'est ce qui me donne l'impression que c'est plus que juste de la superstition ou quelque chose comme ça. Il semblerait que n'importe qui... Puis tu vois qu'ils se tournent vers les deux autres, puis tu vois qu'à ce moment-là, Alphonse puis Démétron ont l'air absolument choqués de ce qu'il est en train de dire. Comme si, tu sais, ils viennent de se faire apprendre quelque chose. T'sais, tu vois qu'ils ont l'air réellement pas au courant que ça se passe. Puis il dit, comme on peut voir avec mes compagnons ici, il semblerait que l'entièreté du village soit sous un sortilège ou quelque chose du genre qui leur fait... qui leur empêche de réaliser ce qui se passe. Les créatures d'ombre qui t'ont envahi, pourquoi est-ce qu'ils se sont attaqués à toi? Qui est-ce qui a ordonné ces créatures pour t'attaquer ainsi? C'est de là ma... de là mon... disons mon intuition. Je devrais... je dirais que... Depuis peut-être une semaine et demie, j'ai commencé à réaliser que quelque chose de tournait pas rond à Crystal Creek. J'imagine que j'ai été sous la même emprise pendant un certain temps et que je m'en suis jamais rendu compte. Mais par la grâce de Pellor, j'ai pu me réveiller. Mais je crois que j'assume la sorcière ou la créature qui est responsable de ceci a voulu se débarrasser de moi. Et a placé de... Il semble m'avoir placé dans un coma profond. Et je vous remercie. Je ne peux vous remercier suffisamment pour ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui. Pourquoi ne pas vous éliminer tout simplement? Pourquoi aller dans le trou pour t'infliger une malédiction qui soit guérissable? Yo, t'allais dire de quoi, excuse? Il penche la tête de côté, mais elle laisse le regard parler, là. Okay. Elle parlera pas vu qu'il a posé une question. Ok. Tu vois, il ajoute, il dit... probablement parce que quelque chose de trop direct aurait peut-être pu éveiller les soupçons ou briser le sort sur les autres. J'en ai aucune idée. Mais, une chose est sûre... Si c'est réellement... Béatrix qui est au fond de tout cela... L'affronter directement serait de la folie. Il faudra en savoir. La sorcière que tu parles, c'est Béatrix? J'en suis presque sûr. Toshi doit à côté de Ragot, puis est comme genre, pas de chance, mon gars. Ragot, tapote sur son torse l'endroit où est-ce qu'il a caché sa petite bouteille de bombe. Il se frotte le bec. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est capable de détruire une fausse image? Non. Je suis pas sûr de comprendre. Comme si si Béatrice est ce que je pense, peut-être que l'image qu'on voit d'elle n'est pas réelle et qu'elle a une autre apparence. J'ai une astuce pour déchiffrer ou déceler la magie qui pourrait l'entourer, mais si ça s'avère que ce n'est pas vrai, j'ai honte à vouloir assumer que c'est elle, tout simplement à cause qu'un jeune homme l'indique. Il me semblait que ça soit quand même une bonne femme. Puis tu vois, à ce moment-là, tu vois que Laurent a une genre de grimace un peu au visage, fait c'est exactement ce qu'elle veut que vous croyez. Je la tête affirmativement, l'air de dire oui, je connais ça et c'est ça. Tu vois, il dit par exemple, j'ai une autre inquiétude. Ces monstres qui rôdent la nuit. J'ai pas encore de certitude qu'elle n'est pas non plus la cause de l'apparition de ces créatures. Donc si en plus
de l'affronter elle, nous devrions nous devrions se débrouiller contre des créatures comme des loups-garous ou pire, eh bien, tout serait perdu. Je dois me reposer un peu, mais j'ai beaucoup de choses à réfléchir et la sécurité de Crystal Creek sera décidée dans les prochains jours. Nous sommes justement ici pour assister au village, donc si tu as besoin d'aide ou quoi que ce soit, n'hésitez toujours pas. Il me fera plaisir de vous accompagner lorsque nous en aurons le cœur net et que là, tu vois qu'il tapote un peu sa masse et que la force sera nécessaire. Je me tourne vers la gang et je dis, est-ce que vous voulez toujours aller visiter la demoiselle dans sa tente? Je pense que ce serait l'idéal de faire comme on avait prévu, sans laisser paraître qu'on pense qu'elle est peut-être réellement une sorcière. Juste déterminer si ça serait vraiment elle derrière tout ça. À ce moment-là, le père Alphonse avance un peu avec une main levée comme en signe de caution. Puis, mais juste, tu vois qu'il est un peu désorienté, mais si nous assumons le pire et que place-toi vers Laurent et que si Laurent dit vrai et que cette créature se marche parmi nous sous la guise de cette dame, qu'est-ce qui nous dit qu'elle ne peut pas lire nos pensées également? Je ne suis pas certain de ce qu'elle peut faire, mais c'est une chose qui est possible, même si il se peut que qu'elle soit très difficile à duper. Nous pouvons toujours envoyer à Orgoth. Il y avait tout seul aussi. Ça me dérange pas. Oui, mais Orgoth, ça fait du sens puisqu'il l'a déjà vu. Et il a peut-être un rendez-vous avec elle. Je vous ai mentionné la dernière fois que j'y ai parlé, mais je dois vous admettre que je ne suis pas le meilleur des menteurs. Si elle se doute de quelque chose, elle va sûrement le voir sur mon visage. Comprends ça. On avait prévu lui poser des questions de toute manière. Donc, on a juste à poser les mêmes questions qu'on lui aurait posées. Exactement, et observer son environnement. Il y a sûrement quelque chose qui peut la dénoncer si elle est vraiment ce qu'on pense. Je suis pas mal sûr que j'aurai un sort pour réussir à défaire un déguisement magique, mais je suis beaucoup trop fatigué pour faire ça aujourd'hui. Dommage. Moi, je pourrais le faire aujourd'hui. C'était dans mes préparations pour aider le jeune homme Laurent. Alors. Et ce soir, est-ce que... Si tu le fais, est-ce que la personne est comme consciente que tu le fais? Est-ce que tu peux être loin pour le faire? Bien sûr, si je peux être une portée de distance quand même assez lointaine, mais c'est très visible, surtout que j'incante des mots, des paroles plutôt volumineuses pour en utiliser. Donc elle serait consciente que c'est toi qui le fais? Et effectivement, il n'y a pas de manière de rendre ces choses subtiles, malheureusement. Avant de lancer quelque sorte de sort, on va commencer par la questionner, oui? Oui. Je suis tout à fait d'accord. Je voudrais bien m'assurer que cette personne ne soit pas une victime avant que je lui inflige de la magie. Mais bon, dans tous les cas, si vous voulez visiter la sorcière, je prendrai juste un petit peu de repos avant de partir. Ouais, j'aimerais bien manger une petite bouchée aussi. Et moi de même. Oui, déjeuner. Tu vois, Laurent est toujours un peu debout, mais à côté contre l'hôtel, les bras croisés en vous écoutant parler. Puis non, prenez votre temps. Soyez sûr que. Disons, assumons qu'elle est dangereuse et prenez toutes les précautions nécessaires. Je viendrai bien avec vous pour vous accompagner, mais si c'est réellement elle, faudrait pas qu'elle me voie avec vous.
Vous ferez pas qu'elle me voit tout court, en fait. Et dernière question, la mine qui se trouve derrière le temple, est-ce que ça a une importance dans tout ça, ou... Je vous avoue que je ne suis pas sûr exactement si ça a un lien avec quoi que ce soit, mais à ce point-ci, rien ne plus rien ne me surprendrait. La mine a été fermée il y a de cela quelques mois, peut-être un peu avant son arrivée. Les mineurs ont commencé à tomber malades lorsqu'ils se sont rendus trop profond dans celle-ci. Malgré la ferveur de notre mère qui voulait continuer les opérations, nous l'avons forcé à la fermer alors que suite à ce que quatre de nos concitoyens soient décédés d'une drôle de maladie. Drôle de coïncidence quand même. Mm-hmm. Ça pourrait être lié, ça pourrait être une autre occurrence entièrement, aucune idée. Mais si j'étais vous, je prendrais pas de chance. Considérez tout ce qui pourrait ajouter à sa puissance. Une créature vile et sournoise comme j'assume qu'elle l'est, doit avoir plus d'un tour dans son sac. Faudrait être bien préparé avant de s'y attaquer. Et soyez certain que si vous mettez des bâtons dans les roues de ses plans, j'assumerai qu'elle vous verra venir un peu. Mais bon. On peut commencer par juste aller lui parler, voir son avis sur ce qui se passe en ville. Soyez prudent par contre et évitez un engagement direct avec elle. Surtout si elle... Si elle est en contrôle de la situation. J'ai aucune idée de l'étendue de ses pouvoirs, mais j'essaierai de ne pas ne pas lui laisser la chance d'être d'avoir l'initiative sur vous. On prend un petit repos avant, par contre. On y va pas tout de suite, là. Non, ce que je comprends, c'est que là, vous voulez faire un short rest avant de quitter. Ouais, puis j'aimerais ça demander au dos si je peux me servir sa cuisine pour le faire manger un peu. Absolument. Ouais. C'est dit que vous avez fait bien plus pour nous que ce qu'on aurait pu espérer, alors. Faites comme chez vous. La maison lumineuse de Pellor est la vôtre. Ah, merci bien. Donc vous pouvez... je crois qu'on a assez de chaises, peut-être. On va se faire un petit encart et parler de la marche à suivre. Puis là, vous entendez une petite voix surgir de l'autre côté. Vous entendez la voix de Félicia, la petite fille la plus jeune, qui crie « Laurent !» Puis qui se précipite sur lui, puis... Tu vois qu'il fait rien que lever le bras pour la laisser, pour pas qu'elle se pète la gueule dans son coude. Puis quand elle serre, ben il passe sa main dans ses cheveux avec un petit sourire bienveillant. Puis rapidement, les autres enfants surgissent de l'autre côté. Puis « C'était quoi tous ces bruits ?» Puis là, ils commencent à avoir un peu des discussions rassurantes entre eux autres pendant que vous préparez à manger. Écoute, moi... Je me suis reposé, j'ai mangé un good berry, je me suis chuggé une potion of life. t'as pris tes... Ouais, j'ai pris 3 hit dice. Ouais, t'étais aussi, à 3 points de vie. J'étais à 7 points de vie. Ouf. C'était... Ouch. Mettons que je vais être un petit peu moins amoché si on décide d'avoir... S'il y a une autre interaction, mettons. Yeah. Fait que... Steve Tool. Ouais, je me suis trompé. Qu'est-ce que t'as volé là? Je déborde leur penderie. Fait que, Orof, dans le fond, tu vois, il y a un petit foyer qui est là avec tout ce qu'il faut, puis de la vaisselle. Puis tu réussis à faire un. Tu sais, avec les provisions qu'il y a là, tu peux faire quand même un très bon dîner. Vous mangez tous à votre faim. Quelque chose qui est très. Donc, très goûteux et agréable. Pas mis des petites musiques, m'excuse. Correct. C'est correct, je vais le fixer au montage. Bon, oui, c'est ça.
Fait que vous êtes maintenant en train de manger, de voir un peu quelles sont la suite des choses pour votre expédition à Crystal Creek. Je comprends que le père ici a beaucoup d'inquiétudes à propos de la sorcière. Je me demande peut-être s'il y aura autre chose, autre place que peut-être nous pourrons aller explorer ou visiter un petit peu avant. Pour donner peut-être plus d'informations sur la femme. Trix va nous montrer d'autres dangers du coin aussi. On peut-tu parler d'autre chose que de danger, là, s'il vous plaît? Mais bien monsieur... Sûr. Monsieur Tushi, la vie d'aventurier, c'est le danger à tous les jours, quasiment. Ah oui, je sais, mais là, il est pas mal collé, je trouve, le danger. Pardonne-moi si après un loup-garou et un démon, je me sens un petit peu stressé. Bon, peut-être que ça va t'apprendre à être un peu plus trépideur. Si on regarde nos options ici, nous avons la mine hantée qu'on va aller visiter ou aller voir une sorcière qui peut être juste une jeune femme. Ou aller voir peut-être la mère, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qu'on pourrait lui dire. Ouais, j'ai l'impression c'est quoi des loups-garous? Pardon? Genre, on sait-tu c'est quoi? C'est-tu que j'en ai connu comme... C'est common knowledge, les légendes, là. C'est les affaires comme des loups, les histoires de loups-garous, c'est souvent des histoires qui ont été utilisées pour faire peur à des enfants, puis des choses comme ça. C'est sûr que toi, tu n'as jamais vu. Non, mais genre, j'avais la légende genre des gens qui se transforment en loup à la pleine lune. Genre. Ouais. Mais t'sais, ça, c'est quand même relativement connu. Ouais, c'est ça. Premièrement, ce que t'as entendu, c'est justement la pleine lune venue des gens qui sont maudits, qui se transforment justement à la pleine lune en bête immonde. Mais au-delà de ça, c'est comme... on va dire le fonctionnement de la transformation, ou bien, tu sais, si tu es vraiment tout le temps à la pleine lune, t'es pas sûr. Ouais, c'est sûr. C'est que bon. Fait que... Auragoth? Est-ce que Béatrix est blonde? What? Hmm. T'essaies de faire une connexion entre le loup-garou jaune et Béatrix, c'est ça? Ouais, ben vous avez dit qu'il y en avait un qui était blanc et plus petit, donc potentiellement femelle. Je dois admettre que je me rappelle pas trop, mais je pense que oui. Ce serait une belle coïncidence actuellement, parce que ça voudrait dire qu'elle serait encore blessée d'hier. Ah, c'est une excellente idée, Monsieur Toshi. Pour essayer de lui donner comme quelque chose en argent pour voir si ça réagit sur sa peau. Je sais pas si c'est vrai, mais on peut essayer. Ce serait une option, mais pour de vrai, juste avoir une offrande comme une potion de soin, si elle l'accepte rapidement, ça confirmerait nos suspicions. Ça serait plus seul le genre d'affaire des potions de soins, par contre. Je pense pas que on en aurait besoin. Mmh. Et quel genre de blessure vous lui aviez infligé? Comme ça, on s'en recherchait. Eh bien, définitivement des blessures de brûlure. Et définitivement des blessures... je sors ma baguette magique de Magic Missile. De missile magique. Et surtout au niveau de la bouche. Je suis sûr et certain que ça a laissé des marques. Mais si ce que Sev dit est vrai, et il s'avère être une de ces créatures de nuit, ça expliquerait peut-être que c'est pas elle la sorcière qui a infligé ça à Laurent. Ça, par contre, ce serait vrai. Ou le sacrifice des enfants, c'est pour protéger que les loups-garous viennent et que c'est pour ça qu'ils viennent pas attaquer la ville. Ça aussi, ça ferait du sens. Ouais, ils n'ont pas besoin de venir attaquer s'ils sont nourris par des nouveaux-nés. Pas juste des enfants, c'est pas beaucoup de viande là-dessus. Non, c'est plutôt un amuse-gueule. Je veux pas avoir l'air d'un expert bizarre, mais il y a beaucoup de viande pour un enfant. Ah. On regarde Toshi d'un air étrange, comme ouais. C'est de la viande tendre.
What the fuck? J'ai soudainement plus très faim pour le reste de mon repas. Peut-être pas une conversation appropriée à voir dans une temple comme celle-ci. Pendant qu'on mange. Désolé, c'était juste un point que je voulais. Toutes les transgressions ont été faites. Sinon, je pense que je suis d'accord. Allez investiguer Béatrix pour s'assurer qu'elle soit qui elle dit qu'elle est. Sinon, il y a toujours la mine. Je pense que la mine, c'est plus dans notre domaine d'expertise en termes d'aventurier, mais si la jeune demoiselle est soit un loup-garou, une sorcière quelconque qui manigance ce genre de choses, on doit tout simplement la... Mais en réalité, aller la questionner prendra pas une éternité, on a le temps de faire les deux. Effectivement, mais si on fait pas ça comme du monde, elle va semer des doutes sur nous. Et avec le doute vient les préparatifs. Ouais. Peut-être aller lui parler si elle connaît quelque chose sur la mine aussi. Parce qu'on peut aller la voir, mais juste la questionner comme ça, on va avoir l'air d'une bande de brigands qui... c'est vrai. Arriver. On va juste lui montrer qu'on n'a pas son attention sur elle, sur d'autres choses, et ça va lui faire plaisir, de, si c'est effectivement vrai, de donner l'attention ailleurs. Et puis on le sait pas, Steve. La questionner de la même façon qu'on avait déjà l'intention avant de savoir tout ça. J'espère que vous êtes des bons menteurs, là. Des bons menteurs, alors. C'était mon travail avant. Mais nous n'avons aucune idée si elle peut réellement lire dans les pensées ou juste savoir si on ment ou pas. Pas besoin de lire dans les pensées pour savoir les intentions des gens. Il y en a qui sont doués pour lire les visages et... Oh, mais dans tous les cas, il faudrait aller la visiter. Oui, allons-y. Okay. Je suis d'accord. Donc, on va remercier le prêtre pour ce bon repas. Il te reste encore des good berries? Ah oui, définitivement. Si vous en voulez, j'en ai encore. Ouais. Vous voulez des magiques ou des normales? Celui qui était magique avait l'air délicieux. magique alors. Fait que, écoute, j'ai les good berries que j'ai faites ce matin. Le restant, je les mets où je les distribue équitablement, là, deux à chaque. Parfait. Fait que vous, avec des discussions un peu goûteuses et un peu nécessairement envie de vraiment gérer de la nourriture, vous sustenez de good berries pour votre... qui sont d'ailleurs extrêmement bourratives. Vous en mangez une ou deux, puis c'est vraiment des... ouf! C'est vraiment pas quelque chose que tu peux te manger en popcorn. Mm-hmm. En tout cas, si t'en manges en popcorn, tu vas être plein pas mal très vite. Moi, je serais le genre à faire des rôles de consti si tu décides d'en gober 10 d'une shot, en tout cas, là, mais... sur ce, vous vous mettez en route à travers les collines du Dragon Spine pour vous rendre à la hutte de Béatrice. Okay. J'ai bien compris, c'est là que pour être sûr, j'ai pas manqué un bout, c'est là que vous allez. Ouais. Ok. Yep. Ouais, pas vous dire où aller non plus. Fait que vous partez de la Bright House of Pelor. Vous passez par le chemin le plus simple, ça serait de passer par derrière du cimetière puis monter dans l'espèce de chemin qui a été un peu... tu vois qu'il y a comme une espèce de chemin qui a été un peu semi-pavé, semi-creusé dans la colline pour monter puis rapidement se rendre à la hutte de Béatrice. Quand vous arrivez en haut, ça vous prend quand même peut-être, je dirais, ça prend un certain... C'est pas très loin, nécessairement, ou très long à parcourir, mais ça reste quand même un peu d'escalade. Les moins en forme d'entre vous sont peut-être un peu essoufflés. Mais vous finissez quand même à arriver un peu au espèce de sommet de cet endroit-là. Et au sommet de la colline. Et vous vous retrouvez devant ce qui semble être une modeste petite maison, une hutte, qui est là. Rof, t'avais-tu surpris, je remarque ça, parce que je vois tes barres, t'avais-tu surpris ton action, Serge, pis tout? Ah non, ça j'avais oublié, merci.
C'est bon. C'est vrai. Et point de qui pour Youb? Oui, je sais. Juste pour pas que personne ne manque rien. Non. Je regarde autour pour voir si je remarquerais quoi que ce soit qui m'est familier. Fais un jet de perception? Oui, je l'ai mis sur avantage, mais j'ai pas remis mon normal. Ok. Sa maison, c'est une hutte ou c'est vraiment ça? C'est vraiment ce qu'il y a là. C'est vraiment comme c'est une petite maisonnette. Qui est un, tu sais, quand même construite de façon rudimentaire. Là. C'est pas. C'est pas un palace, là. T'sais. Non, mais tu sais, c'est comme un mélange de. Tu sais, je te dirais, c'est à mi-chemin entre une maisonnette et une hutte. Puis justement, moi, Oui? Moi, j'essaie d'entendre voir s'il y a de quoi à l'intérieur. Ou... Avec 4 Youb, aucune idée vraiment. Tu regardes autour, tu remarques. Je veux dire, c'est une petite maison, là. Puis, à fond, t'écoutes, Aragot. Puis, c'est un silence complet. À part, justement, les bruits de la nature plus loin. Puis, le petit le brouhaha très distant du village en dessous. Plus bas. Je cogne à la porte. Fait que, tu vois, tu... Tu cognes, tu vois l'espèce de petite l'espèce de porte quand même simple là, ça... Pas de réponse. Pas de réponse. The clock tickens. On n'entend pas ce que tu dis, chérie. Je vais examiner ce qu'il y a autour de la maison ici. Ok. Tu regardes, tu vois, il y a principalement ce qui semble être des réserves de nourriture. Justement, tu sais, il y a de la viande séchée. Tu vois, ça a l'air pour la plupart de ce qu'il y a, c'est genre du gibier, du petit gibier. Puis il y a justement un des barils qui contient ce qui semble être des légumes. Puis il y a des sacs de grains plus loin, le long de la maison. En sortant du chose de Pellor, on l'aurait vu. Ça avait été dans le square en train de servir du monde encore. Oh oui, non, on n'est pas. Ouais, non, elle est pas genre, haha, vous l'avez manqué, elle est en bas. Non, elle était pas présente visiblement en ville. Puis, vous l'avez pas croisée en montant non plus. Puis, si vous avez quand même porté un peu attention autour de vous, je pourrais être sûr qu'il n'y a rien de dangereux. Puis, entre temps, vous avez rien vu des traces de Béatrix. Sur le chemin. Okay. Possiblement en train d'aller récolter des herbes. Le feu, il est-tu allumé? Non, 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 c'est juste qu'il y a un spot, un spot pour faire un petit feu. Là. Ok. Moi, je sais pas. J'ai vraiment le goût de savoir si elle est vraiment là, par contre. Y a-tu des fenêtres? Y a une petite fenêtre. Si tu fais le tour de la bâtisse, du côté où il y a des bûches, il y a une toute petite fenêtre. Que tu pourrais essayer de regarder à l'intérieur. C'est sûr, c'est assez grand pour que, mettons, un... Parce qu'il y a-t-il une ouverture que, mettons, un rat pourrait passer à travers? Oui. Toshi? Tu es très intéressé, oui. Tu vois la fente de la fenêtre? N'en dis pas plus. C'est exactement ce que tu veux que je fasse. On va espérer que ça allait mieux que la dernière fois qu'on t'a envoyé dans un édifice. Ah, j'ai pas de côté souris. Ah, ça, je te l'ai pas, je l'ai plus. Ben, mets-toi en chat au pire. Mais en attendant, ben, c'est ça, je t'en chat, là. Mais c'est un chat, un rat, même chose. Et je vais. C'est que techniquement, c'est encore mieux s'il peut rentrer en chat. Plus et voilà. Mobile. Ouais, c'est tout petit, là. Je veux dire, c'est pas assez. Tu sais, je veux dire, si un chat, ça passe, tu pourrais passer probablement ton. C'est comme un bras avec t'sais, ton épaule puis genre l'intérieur à l'intérieur, mais ce serait pas capable de passer au complet dedans, genre. Ça fait que écoute, un chat, ça peut passer dans des bouts plus petits trous que ça en a l'air. Mm-hmm. Fait que tu rentres à l'intérieur. Puis ce que tu remarques, tu vois, c'est comme c'est tout petit, il y a une seule pièce. Mm-hmm. Tu vois c'est tout petit, c'est quand même pas si petit que ça, mais... C'est une grande pièce, mais tu sais, il n'y a pas de cuisine, salon, chambre. Tu vois, il y a comme des étagères avec des bocals, puis des ce qui semble être des différents mix d'ingrédients. Ouais, différents mix d'ingrédients un peu alchimiques de base, quand même. Là. Tu vois, il y a beaucoup de plantes qui poussent un peu partout. Tu dirais que tu rentres là, c'est quand même intéressant, quand même. Il y a des belles plantes un peu partout, de toutes sortes.
Puis justement, une espèce de grosse armoire qui semble être remplie de petites... d'une vaste collection de... Justement, de baumes, d'huile, de potions, de substances inconnues qui sont tous rangées là. Puis il semble avoir une espèce de petite table de travail avec, entre autres, il y a vraiment un environnement modeste pour un herbaliste, dans le fond. Ouais, ça semble pas mal ça. Ça se dirait que c'est ce que tu t'attends de voir dans la maison de quelqu'un qui pratique ce genre de métier là. Mm-hmm. Fait que. Je suis quand même satisfait. Puis il n'y a personne, bien évidemment, dans la maison. Non, il n'y a personne. C'était principalement ça, je voulais savoir. Je ferais peut-être une petite investigation de 5 minutes pour voir s'il y aurait quelque chose de spécial. C'est bon. Mais. Si tu veux prendre le temps, tu peux. Bim. Tu fais le tour un peu, puis tu trouves rien qui sort de l'ordinaire à part ce que tu as déjà remarqué. Vraisemblablement, elle a une vaste collection d'herbes et de justement de graines puis de différents ingrédients qui auraient été trouvés en nature essentiellement. Là. Puis tu vois, je viens juste d'avoir une quand même pas pire idée. Yeah. Fait que je vais reprendre ma forme de Toshi. Ok. Et boom, multi-side, two-side. Et je vais utiliser mon Wand of Secret. Ok. Fait que tu prends une de tes charges de ta Wand of Secrets. C'est ça. Ne vibre pas. Ok. Bon, ben, je me retransforme en chat et je sors alors. Parfait. Okay. Puis, une fois sorti, je me retransforme en Toshi. Puis, je fais juste dire, elle est pas là. Est-ce quelque chose d'intéressant à l'intérieur? Non. Même pas de passage secret. J'ai utilisé ma baguette pour le savoir. Monsieur, j'essaie de traquer les traces fraîches de son passage. Ok. Tu remarques, il y a. T'as vu. Il y a. Plusieurs séries de traces qui rentrent, mais pas qui sortent. Puis c'est tous les mêmes, c'est tous comme la même, mettons, pointure. C'est comme, c'est visiblement la même personne. Mais tu sais, puis t'es capable de déceler un peu comme une variance dans le temps, là, dans le sens où s'il y a des séries de pas qui sont plus vieilles que d'autres. Mais il y a beaucoup plus de, disons, de traces qui mènent vers l'intérieur et non pas vers l'extérieur. Où fait part de cette information? Oh, ça commence à être quand même assez étrange. Monsieur, regarde, avez-vous pas quelque chose, sortilège quelconque, pour déceler de la magie? Malheureusement, j'ai, dans mes préparatifs pour aider Laurent, je n'ai pas accès à ceci aujourd'hui. Juste pour démanteler la magie. C'est quand même étrange que ce lieu-là ait l'air d'un tipi lorsqu'on est de loin et que de proche ça a l'air d'une maison. Magie. C'est la même forme que vous avez vue de loin que de proche. D'accord. Je me sens mal de vouloir rentrer à l'intérieur de cette maison. Cette femme n'a rien fait pour l'instant, ce sont que des suppositions. De toute façon, Orof, il n'y a rien d'intéressant à l'intérieur, je peux te le dire tout de suite. Mais Yub a trouvé des traces de pas qui est rentré à la maison, mais qui ne sortait pas. Peut-être elle est. Elle n'a pas de passage secret, j'ai utilisé la baguette. La baguette marche pas. Je vais me fier à mes yeux avant tout. Tu regardes autour, Yub, puis tu fais le tour un peu, voir s'il n'y a pas peut-être pas une entrée à l'arrière ou quelque chose de même. Puis non, tu sais, puis tu regardes en dessous, tu es capable de voir en dessous de la hutte, dans le sens où il n'y a comme pas de sous-sol. Tu es capable de voir que il n'y a pas de fondation souterraine à cette habitation. Mais au-delà de ça, pas vraiment de détails qui te... Je vais essayer de trouver des traces aussi à l'arrière à ce moment-là.
En arrière, il n'y a pas grand-chose qui se passe là, en fait. T'as pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de circulation. Les traces les plus proches que tu trouves, c'est celles qui vont sur les côtés de la maison, là où il y a du bois, puis des sacs de grains, mais en arrière, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de circulation. Là. Tu pourrais aller voir sur le toit? Je pense qu'on a manqué le Toshi au début. Ouais, ouais, ben, je pourrais définitivement aller voir sur le toit, mais... C'est pas très haut, même en forme de chat, tu pourrais juste... Okay. Tu te montes un peu sur la pile de bûches, puis tu grimpes sur le toit, là. C'est pas très, très haut. Je vais grimper sur le toit. Est-ce que je remarque quelque chose de particulier? Faudrait pas que tu sautes. Ok, ben, c'est haut. Je vois pas rien de spécifique. Non, pas que c'est haut, c'est dans le sens où c'est le toit est fragile. Fait qu'il faudrait pas que tu sautes sur place, mettons. Là. Ok. Le toit a pas l'air trop solide, par contre. Est-ce que tu vois quoi que ce soit d'intéressant? T'as une très belle vue sur tout le surrounding du village. Tu vois très. Tu peux voir. T'es au sommet de la plus haute colline qui overlook le village. Fait que t'es capable de voir J'ai un bon point de vue sur le reste du village, mais à part ça, non. Si on parle du toit en tant que tel, c'est un toit plutôt rien de spécial. Fait que avec ça, je descends. Et prudemment, tu descends un peu, puis tu te laisses descendre sur le côté. C'est ça. On pourrait peut-être aller à la mienne dans ce cas. Je ne pense pas qu'on ait grand-chose d'autre à faire ici. Peut-être revenir à un autre moment. Je vais juste jeter un coup d'œil à l'intérieur. Ça m'intrigue trop, ça. Y a-t-il une fenêtre quelconque? Toshi, celui qui était curieux. Il y a la fenêtre sur le côté par laquelle Toshi est passé. Tu serais pas capable de passer toi-même à l'intérieur, mais tu pourrais, exemple, mettons, enfiler un bras à l'intérieur, puis rentrer ta tête, puis te mettre la moitié, comme la moitié du chest-épaule, mettons, là. Puis rentrer à l'intérieur, puis de même, puis regarder, mais tu serais pas capable de passer comme au complet. Ok, non, je veux juste rentrer ma tête, puis regarder. Yeah. Tu peux faire un jet. Faire une investigation avec des avantages parce que t'es pas capable de comme vraiment bien. En fait, non, excuse, ça va être perception. Parce que t'es pas capable de mettre de tactilement aller fouiller vraiment à l'intérieur, mais tu peux observer. Et c'est perception avec des avantages? Non, juste normal. Ok. Je m'en allais dire investigation avec des avantages parce que tu peux pas toucher, mais à ce moment-là, ça veut dire que c'est perception. Tu regardes à l'intérieur. Tu dis la même chose que Toshi, tu remarques justement l'espèce de vaste collection de plantes et de substances en pot dans les étagères et comptoirs. Tu remarques la petite table de travail avec un mortier puis un pestle, je sais pas ce qu'on en français, mais puis tu vois qu'il y a comme un pilon. Puis tu vois qu'il y a quelque chose qui a été laissé sur la table de travail au centre là. Mais rien qui est comme vraiment ce qui sort de l'ordinaire. Il y a de la décoration surtout faite à base de justement tu sais de il y a l'air d'avoir des charmes un peu comme des espèces de petites breloques qui pendent du plafond puis qui semblent être soit décoratif soit par superstition, t'es pas sûr. Ok, c'est pas mal l'étendue de ce que tu peux observer. Bon. Je suis d'accord pour aller faire un tour à la mine. Ou si elle est proche, on peut peut-être juste essayer de l'appeler. Bon, peut-être qu'elle est allée cueillir des herbes ou quelque chose. Je dois admettre qu'elle aimait être à l'extrémité du village pour la paisibilité. Donc peut-être qu'elle profite de la forêt autour. Lâche donc un de tes grands cris, Aragoth. Je vais faire mon spell de thaumaturgie. Ouais. Je vais enhance ma voix. Et je vais demander pour... Béatrix! Est-ce que tu es là? Puis là, vous entendez l'écho. Je fais un petit saut sur la grosseur de la voix. Je fais wow, ok, il crie pour de vrai. Hein. Puis... faites un jeu de perception. Tchou. Yub, Toshi et Sev.
Orof, ça c'est ton... Il te manque... Ok, il est en bas, excuse. Fait que Youb, Toshi et Sev, vous voyez, il y a eu un très, très momentané, un peu un arrêt de circulation au village. Vous avez vu comme les petites personnes qui vaquaient dans la rue, comme tout le monde s'est comme un peu arrêté, puis quelques secondes plus tard, ils ont continué à faire ce qu'ils faisaient. Mais... pas de réponse plus... Pas de réponse à cet appel. Écoutez, on peut attendre 5 minutes, voir si ça va la faire arriver, mais sinon, clairement, elle n'est pas dans les environs. On peut lui laisser une note qu'on voudrait lui parler? Ou tout simplement revenir. Et peut-être revenir alors qu'elle est toujours pas là. C'est une chance qu'on va devoir prendre, je crois. Ouais. Je veux pas faire mon pessimisme, je trouve la théorie de Sèvres de plus en plus plausible. L'absence d'un individu, c'est pas assez pour déterminer un crime. Non, étant une guérisseuse, le fait qu'elle soit pas là durant le jour... Amener les rochers autour, je trouve qu'ils sont trop parfaitement en cercle. J'ai... Je t'avoue qu'il y a une des premières affaires qu'on a déjà trouvées, je sais qu'ils sont faits dessiner le pentagramme avec, mais il y en a 6 pour pas 5. Ouais, c'est une grosse crise de roche, man. J'essaie de monter dessus. Ben, c'est pas très difficile, là, je veux dire, c'est fait rough, pis... Fait que là, Youb, c'est maintenant une championne sur sa grosse roche. Je regarde autour, tu sais, je remarquerai quelque chose. Au-delà de ce que j'ai déjà décrit pour Toshi, y a pas grand-chose vraiment. Ben, remarque qu'avec... T'es capable de voir... Wow! Le pentagramme. le pentagramme le plus dégueulasse de l'histoire. Genre... On dirait plus un petit ange. Hein? Un bonhomme en robe ou je sais pas quoi. Pour invoquer des citrons. Ouais, c'est ça. Fait que, Youb, tu vois... T'es capable de voir quand même le... jusque au... Voyons, c'est une espèce de chantier dans la forêt. Tu remarques un truc un peu quand même curieux. C'est juste à quel point la région du Crystal Grove, où est-ce qu'il y a vraiment les arbres en cristaux, c'est vraiment drôlement fourni comme endroit. Dans le sens que pour quelque chose qui se fait couper à tous les jours, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres. Fait qu'il y a clairement de la magie qui doit affecter ce coin-là. Possiblement, ou je sais pas si les arbres repoussent plus vite, t'es pas sûr de c'est quoi la patente, mais c'est clair qu'il y a quelque chose de pas normal là, parce que tu regardes la forêt autour, même que la forêt autour du secteur qui se fait travailler dessus est moins dense que le secteur en question. Est-ce que nous savons qu'est-ce qu'ils manufacturent avec la sève de cette forêt? Je sais pas comment enlever les lignes. Ok. On est... Wow... T'as un peu... J'ai un fuck up, attends. On bouge la map. Il y a un tremblement de terre. Ouais, non, c'est ça. C'est ça qui arrive quand on fait des dessins aux enfants, là. Le monde, il explose. Fait que... fait que, ouais, excuse, la question... Il y a Ragot qui a posé la question... qui se demandait qu'est-ce qu'il manufacturait avec tout ça. Il nous avait dit à Waterdeep que c'était faire des cristaux qui augmentaient les pouvoirs de magie. Des genres de focus. Ouais. S'il y a une sorcière qui a une quantité illimitée de ce produit, peut-être que c'est suffisant pour faire ce que Laurent suggère. Ouais, une espèce de sort qui englobe toute la ville. Ah, oh, je crois qu'on tient une piste ici. Donc peut-être suivre la manufacture de celui-ci. Je vois pas pourquoi, comment le maire réussit à continuer à le vendre, mais j'imagine que pour garder les apparences, la sorcière qui contrôle les choses doit quand même vendre une partie de ce qu'elle désire. Mais peut-être si on suit la piste du produit fini, ça va nous mener à un endroit qui pourrait nous donner un indice. Donc, tu voudrais qu'on fasse ça au lieu d'aller à la mienne? C'est mon intuition, oui.
D'accord, on peut aller trouver le chariot. En fait, est-ce que ça rembarquait dans le chariot une fois que la forge avait fini avec? C'est qui avait observé dehors déjà? C'était. Il y avait moi, Aragoth et Yub. Ben Yub, elle était partie faire des cochonneries autour, mais ouais. C'était surtout Toshi et Aragoth. Ouais, vous avez vu, vous avez vu le processus. Il semblerait que le forgeron, il prenait l'espèce de produit qui avait été réduit en fine poudre, le mettait dans un gros crucible dans sa forge, puis ensuite en faisait des genres de plaques qui lui mettait dans une boîte. Puis vous avez pu percevoir à travers, il mettait vraiment beaucoup plus de poudre à l'intérieur du crucible que, exemple, le volume de la plaque qui en ressortait. Fait que ça prend beaucoup, beaucoup de... Ça prend beaucoup, beaucoup de poudre pour faire des plaques. Fait que ça ressemblait un peu à des plaques, le produit chimie, et... On n'a pas vraiment le temps de voir grand-chose de plus. On sait-tu où est-ce qu'il... Où est-ce que ça s'aboutissait? Genre, ça se mettait dans une boîte, puis ça allait dans quelle direction? Il y avait un entrepôt à côté de la forge. Vraisemblablement, ça doit être là qu'ils gardent leurs choses. Je veux dire, d'après ce que vous avez vu, là, à côté de la forge, il y avait un espèce de grand bâtiment qui semble être un genre de lieu d'entreposage. J'ai l'air d'entreposer ça à la forge, j'ai pas vu ça sortir vraiment. Fait que ça va être dur d'aller fouiner là. On peut aller voir au moulin aussi. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est juste un moulin comme à farine avec une roulette qui écrase les cristaux en poudre. Ou simplement retourner dans la forêt, voir si on trouve autre chose. Ouais, j'aime bien l'option de la mine. Ouais, moi j'irai à la mine aussi. Dit-il nerveusement en espérant échapper et retourner dans la forêt. Ah, mais... non, mais l'idée de la forêt serait une bonne chose, parce que nous savons que si ce sont des hommes garous, je sais pas quoi, ils se transforment sur... C'est vrai, le jour. J'ai mon club aussi. Et sûrement, ils ont laissé des traces un peu partout. Écoutez, ce que nous avons entendu... Ce que nous avons entendu hier soir, il va y avoir un sacré gang de gens là-bas. Là. On pourrait essayer de les traquer jusqu'à leur cachette, justement. Et de jour, c'est moins dangereux. Je serais d'avis pour ça. Vous êtes en train de me dire que la créature que j'ai entendue hier soir près du temple, c'était des loups? Comme des hommes loups. Ouais, j'ai entendu des hurlements de loups, mais j'ai aussi entendu une autre créature qui a fait presque réverbérer le temple, malgré la distance. Ouais, fait que... exploration de jour, oui. Pardon? Direction la forêt. Ah, ouais. Parfait. Et vous vous retrouvez... vous prenez justement la route... vers la forêt. Attends un petit peu. Oh 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 oh! Je sais pas c'était quoi ce son-là, je m'excuse. C'est Mickey Mouse qui a pris possession du corps. C'est des Mickey Mouse garous. Oh! Je vais aller vous dévorer, les enfants! Oh! On se transforme tout en Mickey Mouse. Ouais, c'est ça, puis on se fait poursuivre par Disney, man. On est fourré, gang. Boom. On est fait. Les terminer vagabonds. L'aventure des vagabonds, man. Disney vient de mettre la hache là-dedans. Ça serait tellement... Ça serait drôle en esti, ben non. Et ça serait incroyable. Empire de Disney. Excusez, je suis en train de préparer vos affaires, je suis pas en train juste de m'amuser, là. Ah, c'est correct, on comprend. Fait que vous faites le tour un peu, vous retrouvez le spot où est-ce que vous avez combattu... les loups-garous. Et... Je vous ai placé de façon vraiment délibérée. Mais... Vraiment délibérée, mais... Non, c'est une joke. C'est une forme vraiment moi, je voulais être ici. Ouais, ben voilà. Ruined. La scène au complet peut plus avoir lieu. Fait que... Vous êtes là autour, justement, là, de... Vous entendez l'espèce de brouhaha de travail un peu plus loin. Vous semblez être dans un espèce d'espace un peu à part.
un peu laissé à votre... vous pensez un peu discrètement, vous vous faites pas trop remarquer. Vous êtes un peu laissé à vos... à vos devices, à, votre, à yeah. vos intentions. Donc, c'est où que vous êtes fait attaquer? Vous êtes sensiblement dans le même spot. Là. Sentant que tu sais, c'est la même map, mais c'est, vous êtes à la même place à peu près là, où est-ce que vous avez combattu. Point de cet arbre-là, ben Gary est là. Puis je me souviens que j'étais à côté à peu près, mon Dieu. J'étais beaucoup plus à l'est quand je me suis fait attaquer. Plus comme dans ce coin, comme dans ce coin, plus comme dans ce coin-ci, je vous dirais. Qu'est-ce que tu as dit, pardon, Seth? Ce qui est dit à l'est, mais t'as-tu mis le nord à une place BS encore? Hein? Non. par défaut, le nord, c'est en haut, les amis. Juste pour ease, juste pour rendre ça plus simple. Là. Merci. Je vais examiner la souche pour voir si ça comme regrow plus vite. Fais un jet de nature. Moi, pendant ce temps-là, je vais monter un peu à Sèvres, là où je pense que je me suis attaqué. T'as pas vraiment de familiarité avec genre le cycle de vie d'un arbre, là. Fait que t'as aucune idée. Là, j'essaie de trouver des traces des loups qui disent qu'ils les a attaqués. Les hommes. Ouais, moi aussi, je cherche des traces. Parfait. Je voudrais même dire avec avantage vu que je les aide à aller chercher. Ben, tu peux aider un des deux. Okay, mais ouais. En général, consultez-vous avant de faire vos jets, les amis. Ouais, ce serait Sèvres que j'aiderais, tu sais. C'est le premier qui les a fait. Puis qui est avec c'est surtout que c'est avec lui que. Bon, ben 8 ou 8. Ben 8 et 8, ça sera. Ouais, ça fait que Youb, avec ton 14, tu retrouves les traces évidentes d'un combat. Tu vois, un peu. En fait, il y a du sang au sol. Puis tu serais. Peut-être que tu vois que le. Il y a une couple de grosses plages de sang dans ce coin-ci. Puis d'autres plus d'autres ici aussi. Je teste ma chette d'argent dans toutes les traces de sang, voir s'il y a une réaction. Fais un jet d'arcane. Tu vois pas de réaction quelconque avec le sang. Je veux dire, tu viens de tâcher ta belle hache en argent, mais à part ça, pas rien vraiment. Là. D'accord. J'essaye de... Ben, ça fait-tu comme un chemin de sang? Avec ton 14, tu serais capable un peu de retracer. Tu vois, ça part vers l'ouest. Mm-hmm. Puis, pas loin de Orof puis d'Oragoth, ça commence à dériver lentement vers le nord. Ça semble s'éloigner plus vers la forêt. De faire une Witcher de moi et de suivre les traces. Yeah. Tire gâchette gauche. Ouais, c'est ça. Suis le rouge. Moi, veux pas, malgré le fait qu'on est le jour, j'ai ma fourche de sortie et j'étais un petit peu tendu. Parfait. Orof et Oragoth, vous voyez que Youb semble commencer à suivre une piste, puis quand elle passe à côté des autres, vous voyez qu'il y a effectivement un genre de petite traînée de sang qui se dirige vers le nord, qui est éventuellement rejoint d'une autre petite traînée de sang. Puis au fond, tu suis ça pendant un bout, ça s'arrête sur le bord d'un genre de bosquet pendant un petit bout. Sauf que, fais-moi un autre jet survival à partir de là. Tu peux faire avec avantage si vous êtes toute la gang à regarder ça ensemble. Là. Ouais. Ouais. Ouais, on va le prendre, ouais. Yeah. Fait que dans le fond, tu vois, t'avais déjà un bon lead avec les traces de sang. Tu fouilles un peu, tu remarques que tu vois qu'il y a deux espèces de petits renfoncements un peu dans l'herbe haute sur le bord du bosquet. Il semblerait qu'ils se soient arrêtés ici pour se reposer puis justement licher leur blessure. Puis, ouais, leur plaie, merci. Puis tu sais pas combien. Je dirais, ils sont sûrement restés là peut-être une heure. Puis à un moment donné, les traces repartent. Puis là, ce que tu suis, c'est plus tant des traces de sang plus que vraiment des traces des créatures. Ils ont fait un short rest. Ouais. Ils ont-tu l'air d'avoir changé de forme? Non, mais sauf que tu remarques que les pas, après s'être reposé, ils marchaient avec un peu. Tu remarques moins l'espèce de.
de variance dans le pod, comme c'est quelqu'un qui est gravement blessé, qui a de la difficulté à se déplacer. Cette fois-ci, tu vois, les traces ont un peu plus de stabilité dans leur pod, disons. Tu continues de suivre ça. À quel point est-ce que tu suis-tu jusqu'au le plus que tu peux? Ou... Yob, son but, elle, c'est vraiment de trouver où ils sont, de se rapprocher le plus possible sans par contre se mettre en danger. C'est bon, pas de problème, c'est juste parce que ça prend quand même du temps. Parce que dans le fond, tu suis. Par exemple, avec ton vin, tu es capable de suivre l'entièreté de leur nuit, dans le fond. Puis, tu remarques un truc. Éventuellement, tu spots un endroit où est-ce qu'il semble qu'il passe quand même pas mal de temps, parce qu'il y a beaucoup de traces des pareils. Puis tu remarques, mélangé dans celle-ci, des traces beaucoup plus grosses, avec comme 5 grosses griffes qui pointent vers l'avant. Puis t'es capable un peu de là, tu te mets à suivre les traces à l'envers. Parce que là, en fait, tu te rends compte, ok, ça, ils sont passés par là, puis toute l'équipe, là, t'es capable d'un peu comme de les suivre de où qu'ils viennent. Puis t'es capable de redescendre, tu redescends comme vers, justement, vers le sud-est. Puis tu te retrouves à te rediriger plus proche du Dragon Spine, c'est-à-dire l'espèce de série de collines qui est à l'est du village. Excuse-moi, ça serait au sud-ouest pour toi, donc. Puis éventuellement, ça semble se diriger lentement mais sûrement vers le moulin. Tu avais dit qu'il fallait examiner le moulin. Bien joué, petit canard, t'as trouvé les traces. On va voir. C'est sûr, nous sommes ici pour ça. Mm-hmm. Fait que vous commencez à vous diriger vers justement le moulin qui surplombe qui surplombe justement le village. Vous marchez justement le long des collines, vous commencez à monter un peu. Pour vous rendre vers là, en espérant peut-être trouver des réponses sur ce qui se passe à Crystal Creek, c'est quoi les étranges créatures qui rôdent la nuit, d'où ils viennent, puis aussi s'il n'y a pas un lien à faire avec l'affliction qui afflige les villageois. Puis c'est ici qu'on va terminer pour ce soir. Ben parfait. Alors, moment un peu awkward où est-ce qu'on parle de subscriber au channel. Donc, pour faire ça, appuyez sur le petit bouton qui apparaît en bas ici. Si vous voulez voir les autres aventures des vagabonds du Limbir, ici, ils sont toutes là. Sinon, Jazette sur le site, des trucs de pro, là, t'sais, moi pis Guillaume, on l'a. Jazette, juste là. Ah ouais, c'est à temps. Moi, je bouge pas.